Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le chapitre 10 de The Evil Within sur PC. Donc j'en profite rapidement aussi pour vous dire si vous avez des questions à me poser à moi ou par rapport à ma chaîne, vous avez la possibilité en allant par exemple sur Twitter de laisser un message sur votre mur, vous y mettez votre question et vous finissez par hashtag tuto répond, donc tuto avec un T majuscule et répond avec un R majuscule, le tout collé, donc toutes les infos seront de toute manière dans la description. Combien en as-tu tué ? Donc c'est parti. Ruben, il parle de Ruvik ? Ça n'a aucune importance. Je n'ai fait que leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur, en m'aidant dans mes recherches. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, tu as fait subir des horreurs à ces gens. C'est une grande... Je me sers d'eux, comme il me plaît. Mais vous avez... Ce ne sont pas de simples recherches. J'approche de la perfection. C'est répugnant. Mais... C'est ma volonté. Oui. Ah, ma tête. Qui c'est à côté ? Est-ce que vous avez la moindre idée de comment fonctionne ce monde ? Hein ? Qui êtes-vous ? La haine. La haine. La haine de Ruvik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer ce qu'on lui aurait pris. Il n'a aucune chance d'y parvenir. Il n'a aucune chance d'y parvenir, mais ce monde existe tant qu'il vivra. Vous venez d'entendre quelque chose ? Ouais. On dirait que, on dirait bien qu'on est vraiment dans sa tête à Ruvik, quoi. Enfin, dans sa tête, où, je sais pas, on doit être connecté à un truc. Si je dois le tuer pour que tout se finisse, tout est dans sa... Enfin, je sais pas trop, mais c'est un peu spé leur histoire. Comme si, ouais, on était moitié tous connectés, genre à la Matrix, comme à la Matrix. Bon, alors... Statue, clé. Dégage. Entrée. Tout pareil là. Pas le désamorcer, ça. Si.
Et yeah, toi aussi. Ils sont où ces cons? C'est quoi ce truc là? Oula! Mieux pas que je me la prenne, c'est vrai. Penche-toi. Ouais, non, attends. On lève. On va le faire maintenant parce que je sens bien qu'il va se relever en plein dedans, lui. Oh oui, il va se la prendre. Pardon. Putain, mais il est excité, lui. Calme-toi, là. On reste par terre. Et merde. Tiens, dégage. Toi, dégage. Thank you.
Putain, ils ont des bien gros trucs. Là. Putain de fusible. Bon alors. Putain, mais il est pas net. Alors. Mais non! Mais. Putain! C'est pas possible. Vas-y, speed. Tiens, dégage. Toi, dégage. Putain, sérieux, ça m'a saoulé là. J'étais. Qu'est-ce qu'elle a explosé quoi? J'étais tranquille, j'allais la désamorcer. Dégage. Bon, l'autre gogol il va se faire couper la tête. Et hop, passe les entrées là. Hop, bam, allez, c'est terminé. Toi, on n'en parle plus. Et on enchaîne avec le suivant. Alors, les petites allumettes. Toi, tu vas pas avoir le temps de mettre ça dessus sur toi. Tu vas dégager. Par terre, reste par terre. Hop, on est reparti. Et c'est bon, allez. Mais ah. Allez, go. Fois-ci, je vais me faire exploser par cette putain de bombe de merde. Non mais... Et non mais... Et je suis vraiment un putain de boulet, quoi. Je l'ai même pas vu le fil, en fait, quoi. Oh. Putain, heureusement qu'il n'y avait pas la lame à un moment, parce que je crois que c'est ça qui m'a tué, en fait, la première fois. Oh, quel bolosse. Fragment de carte, je sais pas trop à quoi ça sert ça, mais j'en ai loupé tellement, je crois que. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, j'aurais peut-être pas dû sauter, Kerry. Pas vu, enfin, à peu près. Et j'ai plus de balles. Oh, 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 oh. Casse-toi, casse-toi. Non, casse-toi là. Il est où? Là. Merde. Oh. Il est pas très vivace, hein. Oh, il est mort. C'est pas toi que je crame, c'est lui. Bon, allez, hop.
ça marche pas. On va aller voir là. Ah, pas de munitions. Tiens, ça fera l'affaire. Putain, je m'y prends comme une merde. J'ai chié la première. J'ai ramassé ces bouteilles là. Je sais pas où elle met son trou là, mais il était bien caché. Ça promet. Ça promet. Bon alors. Pieds chauds activés.
Heureusement que je ne suis pas précipité comme un clou. Ça recule, ça recule pas. Passons dessus. Je vais aller chercher. À qui le dis-tu? Tu m'étonnes. Encore un bout de carte. On va utiliser des explosifs. Petit gel. Ah, il y en a deux. Explosif. On va refouler un petit gel. Non, ouais, si, d'autres explosifs. Mais non, pas du gel. Explosif. Mais non, là. Boum. Nickel.
hop, la porte. Enfin, la grille. J'espère que je vais pas le combattre, ce machin. Enfin, si, je vais sûrement devoir le combattre. Je sais pas comment je vais faire. Espèce d'énormité. Oh, puis à l'autre. Je l'aime pas elle non plus, elle est chiante. Et de courir après, à disparaître, à apparaître comme ça. Putain, mais on va en enchaîner plus d'un monstre dans ce niveau. Vous avez oublié quelque chose ? Papier au lieu. Et première partie. Je vous passe tous les détails d'amélioration. J'essaye de me taper des niveaux comme ça sans forcément améliorer, histoire que ce soit plus fluide, que j'ai rien à couper. Et puis je l'ai fait en fin de niveau. C'est plus simple comme ça. Putain, celle-là, je la sens pas. Comme ça, là. Je vais bien trouver un trou. Alors, là, il y a des munitions. Là, ouais. Je sais bien ce que je me disais. Vas-y, casse-toi. Vite, vite, vite. Allez, allez, putain, quel golio, allez, vas-y, tu peux, là, putain, là, là. Cours. Non, c'est sûr que c'est pas la scène. Cours, dépose-toi. Cours. Et merde, putain. Ah, il va pas mollo.
Oui, tu fais du bien. Bonne gorgée de sang frais. Bon, on est reparti. Alors, on recommence. Où? Là, ok, d'accord. Donc ça va encore. C'est pas le plus chiant. Enfin, on est assez proche. On prend les munitions maintenant. Allez, go. Ah non, ouais, mes cheveux ils passent pas, je n'y vais pas. C'était chaud quand même, hein. Content, qu'est-ce que plus là? Non, je suis à bloc. On a rien d'autre. Allez hop. Je fais quoi? Faut attendre. Non. Ah si. Fallait juste attendre. Et là. Faut attendre aussi. Ouais, pas de clavier. Ouais. Y'a rien en haut. Un côté. Ah si, un petit truc. Ah, celui-là, c'est du tac au tac. Non. Oh non, pas elle. Dépêche-toi. Là, le levier. Oula. Je tourne en rond. Qu'est-ce que je fais? Il y a un truc à faire, je sais même pas. Je vois rien. Cherche un truc quoi, t'as même pas le temps de regarder 2 minutes. Vas-y, bois mon sang. Putain de jeu, il me saoule là avec ce truc de saut. Balle,
Attends, cette fois-ci, je vais tirer dessus direct. Voilà. Il était là. Putain, mais elle va pas me lâcher, quoi. Putain, mais elle est déjà à mon cul. Là, il y en a un autre. Putain. Vas-y, un coup de gel, là. Ça fait plaisir quoi, m'éclate le crâne, quelque chose de mignon quoi. Bon, on va y aller au gel, à la rapidité, vite, toi dépêche-toi, hop, allez, tire dessus là, vite, hop, le gel. Allez là. Tac. L'autre. Putain, speed. Un autre coup de gel. Hop. Terminé. On se casse.
Voilà. Un coup de gel. C'était chaud pour ma gueule. Là, putain. Là, ce truc de merde là, qui m'a sauté à la gueule. On enlève. Un petit coup de gel. Allez, dépêche-toi. Hop, collecteur. Enfin, levier. Oh, putain, elle est pas loin. C'était chaud, oh my god. Ouais, je fais quoi? Un petit coup de gel encore. Vas-y, casse-toi. Putain, elle va pas crever maintenant, là. Coup de gel. Non, pas ça. Je vais me faire buter. Ah, vas-y, cours. C'est bon. Je suis mort, je suis pas mort, non, si c'est bon. Vas-y, dépêche-toi. Allez, voilà, plus de bras. Fera un peu moins chier. Je sais ce que tu désires, ce que tu crains. Pourras-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire? Ce pauvre Joseph n'a pas pu. Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Ouais, on verra. Et qu'à me tuer là si tu voulais. Je crois que c'était fini, même pas. Toujours pas la fin du niveau. À recharger. Hein. Je suis revenu là. Ah, ça dépend pourquoi. T'es revenu là. Doc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'essaie de nous sauver. Vraiment? Parce qu'on dirait plutôt que vous essayez de faire un autre monstre. Je n'ai pas de temps à perdre, inspecteur. Et moi non plus. Leslie a survécu à cela. Avec succès. Il a déjà été connecté à Ruvik. C'est un cas unique, à ce que je sache. Merveilleux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Il est la clé, inspecteur. C'est notre seule issue.
Ça fonctionne. Tu me sois loué, ça fonctionne. Leslie, est-ce que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi ça va pas? Oula. Mais oui. Allez, juste en face. Bien sûr. Docteur, vite! Il cherche la même chose que nous. Il veut s'échapper. Ouais, il veut te tuer, je crois. Ouais. Ok, tu passes à travers les murs, ouais. N'importe quoi. Oh, mais là, c'est obligé, en fait. On est dans l'esprit du gars, quoi. On doit être connecté au gars. On doit être toujours dans une machine ou dans l'espèce de bain, là, qui... On doit être tous connectés à ce bain, en fait, dans un espèce de machin, et... On est tous en train de rêver de... Et de... De déambuler dans les couloirs de son esprit, quoi. Écoutez-moi, le machin. Ouais, c'est n'importe quoi. Ruvik doit être fou de rage. Casser un terminal STEM? J'aurais jamais cru ça de lui. Attendez, un STEM? Oh, il est près du but pour couper tous les liens avec le passé. Tout ce qui lui reste, c'est sa connexion au présent. Au STEM original de l'hôpital. L'hôpital? L'hôpital psychiatrique Beacon? Il sera là. Il l'attend. Lui. Quelqu'un n'y arrivera en premier, il n'y aura pas d'issue pour personne. Ouais, je sens bien, on est encore tous dans l'hôpital de base, on s'est jamais vraiment échappé. Vous empêchez. À partir du moment où. Où il est arrivé et puis il nous a chopé là. Je pense qu'au moment où on commence le jeu, en fait, vraiment. Où on commence à se détacher parce qu'on s'en est attaché par les pieds là. À partir de là, je pense qu'on est déjà dans quelque part dans l'hôpital, accroché à une machine et on est déjà en train de rêver quoi. Enfin, on est déjà dans l'esprit de l'autre. Vu que tout le monde est connecté apparemment à lui, enfin, tout le monde est interconnecté. Enfin, j'ai pas tout pigé, mais c'est un peu spécial. On comprendra sûrement un peu plus après. Ouais. Oula. Je sens que je vais devoir l'affronter, lui. Un de ses quêtes. Oula. Non, tu m'as pas eu l'épée. Je vais pas remonter. Alors, allez, monte là. Ah, je croyais qu'il est... Je croyais que je l'avais en face de moi, du coup. Non, il a juste cassé la lumière. Ok. Ah, elle aime bien surprendre, hein. Il va me tomber dessus, je le sens bien. Je vais devoir l'affronter maintenant. Ou m'échapper.
pas loupé. Oh putain. Cours, cours. Dépêche-toi, allez, cours là. Putain, oh, en fait, non, je peux pas te courir. Cinématique. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, c'est que je vais devoir l'affronter, quoi, vraiment. Alors, on va y aller explosif, hein. Je crois que ça va être la meilleure solution. Attends, peut-être que je vais en remettre un peu de vie avant, histoire de... Attends, je vais charger à fond. Non, pas ça. Attends, je vais remettre... Oui, c'est... Donc, je suis pas sur le bon. On va y arriver. Ah, c'est pour ça que je vais faire. Si, ah bah ça va filer ici. Nickel. Parfait. Hop, explosif. Explosif. Et explosif. Je vais me faire éclater. Putain, allez, cours. Petite porte là. Ça se trouve, je peux même pas le buter en plus. Ouais. Ça se trouve, il fallait que je l'évite depuis tout à l'heure. Je sais que je vais de plein front, mais... Enfin, je sais pas trop, on va quand même essayer de l'enchaîner. Sauver de la vie. Oula. Tiens. Non, putain, ça m'inquiète pas. Là, c'est bon. Ok, explosif. Mais putain, mais c'est pas vrai. Ça, je vous fais. On a deux coups comme ça. Hop, un explosif. Un deuxième. Un troisième que j'ai loupé. Bon, je sais pas si je crois que je chie dessus. Avec les pièces pour ramasser, c'est pratique. Il est mort! Trop bien! Putain, il était costaud celui-là! Bon, alors, on va tout ramasser ce qui traîne.
Ah, il n'avait pas explosé tout à l'heure. C'est ce qui me semblait. Allez hop, cassos. Ah, je crois que c'est la fin du niveau, effectivement. Donc c'est la fin du chapitre 10. J'espère que ce chapitre vous aura plu. C'était pas les plus... Enfin, c'est loin d'être le plus facile. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!